c'est le jeu. Le jeu des ordres de passage a été vraiment prégnant sur cette épreuve. C'est dommage tout de même que les juges n'aient pas plus revalorisé, je pense, la difficulté d'Alexei Nemov. Attention maintenant au passage de Vitaly Scherbo. Vitaly est un excellent technicien. Ici, un catch-off d'un bras, un tour volant, un autre catch-off d'un bras, suivi d'un ginger qui est un peu près. Il a un petit peu mangé la barre quand même. Hein. Oui. C'est souvent là-dessus que la différence se fait entre les gyms. Sur l'amplitude, et réceptionné loin de la barre. Loin de la barre, oui. Et il s'engage vers la sortie, prise d'élan, et une sortie simple quand même, bien stabilisée, mais double tendu avec un tour. C'est quand même relativement simple à ce niveau. C'est a priori plus simple que Andreas Wecker, mais si les juges veulent saluer définitivement et de façon la plus brillante Vitaly Scherbo, eh bien ils ont peut-être l'occasion ici de faire un petit coup de pouce. Mais bon, c'est pas trop la tendance actuelle envers Vitaly Scherbo, surtout après la conférence de presse qu'il a donnée à l'issue du concours général où il a fortement critiqué les juges. Je ne pense pas qu'il lui fasse de cadeaux. Il a quand même bénéficié de l'ouverture du Bulgare. Exactement, et je pense que par rapport au Bulgare, ça peut être en sa faveur. S'il était passé peut-être derrière... Derrière Nemov. Derrière Nemov. Quoique... C'est une belle ouverture quand même, hein. 9825 je crois, est devant lui. Ouais, 9825. Nemov est à 9,80, Dounev à 9,825 et Wecker à 9,850. Voilà les notes. Eh oui, 9,80. C'est-à-dire qu'il est ex aequo pour le moment avec celui qui l'embrasse, Alexei Nemov.